Nous avons déjà fait ce chemin dans le passé et nous avons voyagé plusieurs fois dans ce monde. Mais je l'ai refusé. Même au moment de sa mort. Ah.
c'est seulement ce que je peux offrir à mon père. Il a beau être un mauvais père, mais je pouvais au moins lui rendre visite à l'hôpital. Mais j'avais fermé mon cœur au pardon et à l'amour. Cela me hante tous les jours. Maintenant, Sheila me le rappelle. Je suis désolé. Maintenant, je comprends bien. Je suis désolé. Ça va aller. Zolinga! Je me suis chargé de Zolinga la première fois. Cette autre fois n'est que pure création de la pensée. Pourquoi Soumelina me maltraite en sachant bien que je l'aime éperdument? J'ai appris que ta femme continue le deuil. Pas ma femme, la princesse. J'ai dit 6. Tu dis demi-douzaine. N'est-ce pas la même chose? Ibro, écoute. Toi et moi savons très bien que tu es la seule personne qui aime sincèrement notre princesse. Oui, c'est vrai. Je l'aime vraiment. Mais tu dois comprendre quelque chose, mon ami. Moi, je suis Ibrahim. Grand musicien de toute cette partie de la terre. Je joue seulement pour les rois à cause de sa couronne. Je suis plus grand que lui. S'il le nie, qu'il vienne dans n'importe quelle rue ici, à Kano. On verra qui sera ovationné. C'est vrai, Ibrahim. Donc, dis-moi, pourquoi moi, Ibrahim, j'épouserai la fille d'un pauvre roi quand les émis sont prêts à m'offrir leur royaume? Pour épouser leur fille. Ibo, Ibo, Wallahi, Ibo, hey, Ibo, Wallahi, bismillah, Ibro. Pourquoi mener une vie de misère comme princesse? Pourquoi rester dans cette cage de misère? Dieu de mes ancêtres, ma fille, il y a peu de questions dont nous détenons les réponses et à ce qu'Allah donne de la connaissance. Mais tu vois, Allah connaît toutes choses. Mais je pense qu'Idriss et Haruna ne t'ont jamais aimé. C'est pour cela qu'ils devraient mourir, pour ne m'avoir pas aimé autant après le mariage. Allah essaie de nous protéger plus que ce que nous avons perdu. Enfin, nous sommes vivants. Sois reconnaissant, mon ange. Adia! 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 C'est bon. S'il te plaît, prends soin de ta fille. C'est bon. C'est bon. Ibrahim, je t'aime. J'ai essayé de t'oublier en me mariant à d'autres, mais ils sont tous morts. Mon esprit me dit que c'est toi. Comment? Ma princesse. Hamina. Je suis princesse pour les autres. Je suis Hamina. Appelle-moi Hamina. Hamina, est-ce que tu fais une erreur? Je pense ressentir des choses pour toi. Mais si mes sentiments ne sont pas aussi forts pour me maintenir en vie si je t'épouse? Je sais que tu es passionnée de ta musique. Je veux t'aider. Non, pas cela, ma princesse.
Wallahi, sois juste prudent, avant qu'un musicien ne meure comme cela. Elle t'aime. Tu es celui dont elle a besoin. Elle était morte dans sa première vie en te haïssant pour lui avoir offert une vie non accomplie. Peut-être que j'étais effrayé. Peut-être tu étais égoïste. C'est pour cela qu'elle me méprise autant dans cette vie. Bien. Rejoignons les autres. Un amour non égoïste et non motivé conquiert tout le mal. Te voir toi-même et ta générosité dans l'autre personne, soit homme ou femme, crée le même magnétisme dans l'autre. Je vous raconte une histoire. Oh oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qui est à la porte? Le sage, bonsoir. Une soirée magnifique, n'est-ce pas? Le sage, je le nomme Okoro. Que puis-je faire pour toi, Okoro? Le sujet pour lequel je suis ici est que ma femme ne m'aime plus. Elle me hait. Elle ne me fait plus à manger. Elle ne fait plus mes lessives. Elle me dit, ma fille, ta bouche a une odeur de toilette. Ma fille. Si je la touche, elle dit, ma fille. Ta main me dérange. C'est l'objet de ma visite ce soir pour te narrer le problème. Okoro. Le sage. Regarde là-bas. Prends du bois pour venir maintenir la flamme. Le feu s'éteint, même plus de bois. Le sage, je ne peux même plus me rappeler de la dernière fois que j'ai fait l'amour avec ma femme. Depuis notre mariage. Même hier, ma fille, elle m'a demandé de dormir par terre. J'ai dormi par terre tandis qu'elle était sur le lit. Elle me rend la vie misérable. Le feu s'éteint, même plus de bois. Le sage. Je soupçonne que ma femme me trompe. Je soupçonne que ma femme me trompe. Vous savez de quoi je parle, le sage. Mon ami, même plus de boire aussi longtemps que tu désires avoir la flamme activée. Ma fille, c'est quoi? Mets le feu, mets le feu, mets le feu. Est-ce que c'est le feu qui m'a amené ici? Je vous dis que je suspecte ma femme et tu me parles de mettre le feu. Je commence à te soupçonner avec ma femme. Mon ami, mets plus de bois aussi longtemps que tu désires avoir la flamme ravivée. On m'a dit que tu étais sage. Mais en te voyant, je me demande, qu'est-ce que je fais ici? Okoro, tu as dit c'est ton nom, non? Je te demande ceci. Quelle est la dernière fois que tu as démontré à ta femme que tu l'aimes? Quand as-tu prouvé verbalement à ta femme que tu l'aimes? Mamma mia, tu l'aimes.
Quelle est la dernière fois où tu as démontré ton amour à ta femme, quand bien même tu savais que c'était impossible? Quelle est la dernière fois où tu lui as offert un cadeau? Ma fille, c'est quand nous étions fraîchement mariés. Vous savez, c'est là le plus important. C'est toujours important. C'est toujours important, je te le dis. La flamme d'amour sera toujours ravivée aussi longtemps que tu mets dans le feu du bois de soins. D'amour, de patience et de compréhension mutuelle. Ce sont les condiments de maintenir vivant cet amour. Message. Donc si je rentre chez moi et je mets plus de bois dans le feu, ma femme reviendra vers moi. Le sage. Tiens, non bien. Si possible, achète-lui un ou deux cadeaux. Un ou deux cadeaux. Tu fais un bon repas, très très bon repas, et l'invite à manger. Ensuite, tu lui dis que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Je te dis que tout ceci et d'autres encore maintiennent la flamme ravivée, 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 ravivée. Message, tu es trop fort. Laisse-moi aller mettre plus de bois dans mon feu. Vous pouvez tous partir maintenant et vous reposer. À partir de ce moment, beaucoup d'entre vous sont prêts à partir et à gagner le voyage du retour à la maison. Sage, puis-je obtenir le pardon de tous ceux que j'avais blessés? Tu es prêt, Sheila? Tu es prêt? Je suis surpris de comment Zolinga a dépassé toutes les bornes et manifeste de si grands pouvoirs. La quête de vengeance physique de Zolinga la conduit à la recherche de connaissances spirituelles, où il rencontra Kal Naraja, le dirigeant du monde négatif. De ce qu'il a eu de ses pouvoirs physiques, donc a-t-il le pouvoir de voir le présent et le futur? Toute limite spirituelle est accessible à tout chercheur. Chey. Oui, frérot. Je n'ai jamais investi dans une mauvaise affaire de ma vie. Elle est une grande artiste musicienne. Et avec qui tu peux travailler, crois-moi, sommes Elena de l'avenir. En plus de cela, je l'aime. Et je suis son plus grand fan. N'est-elle pas chanceuse? Sûrement, je sens l'arrivée du fric. Je viens de prendre un appartement pour elle. J'aurais aimé qu'elle déménage avec ses copines à l'hôtel. Mais je ne vais pas insister. Je vais suggérer aussitôt sa dédicace à l'hôtel. Tu lui suggères de quitter l'orchestre et se focaliser sur son propre album avec ses copines. Je comprends. J'avais discuté avec Sam Clef et OJB. Chef. Je sais que le chef a beaucoup de tours dans sa manche. Et ils sont prêts à travailler avec elle. Elle doit aussi être prête. Il y a quelque chose qui me tracasse, Somelina. Je crois que Benjamin t'aime. Amy, c'est plus dit. Le gars est prêt à mourir pour toi.
Allô, Cheikh. Je suis désolée, je ne peux pas parler. Je ne suis pas d'humeur à parler. Je suis occupée. Merci. Chérie, n'est-ce pas notre chéquier que tu viens de raccrocher au nez? Oui, c'était lui. Je suis occupée. Ou bien? C'était rude. Ah bon? Très rude. Je suis désolée. Tu ne devais pas nous le dire. Plutôt à lui. Hé, hey, vous parliez d'un sujet avant le coup de fil. C'était quoi? De quoi parlions-nous? Je disais que tu devais donner une honnête chance à Benjamin. Honnête chance? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par honnête chance? Pas du tout. Je comprends. C'est la première fois que j'ai tout ce que je cherche en un seul homme. Il est riche, attentionné, amoureux et compréhensif. En plus, il n'écrit même pas sa richesse sur tous les toits. Oui. Je vais ouvrir. Aladi Mustapha. Aladi. Bienvenue. Très bien. Bienvenue, Aladi. Aladi. Mon Dieu. J'étais sur le point de me rendre chez mon petit ami. Joanne prendra soin de toi. Somelina. Aladi, au revoir. Joanna. Je doute si quelqu'un peut me comprendre ces derniers temps. Mais j'aime tellement Benjamin. Je l'aime très fort. Je ne peux pas décrire ce que je ressens pour lui. Crois-moi. Il ressent la même chose. Oui, je l'ai entendu la dernière fois. Viens. Je sais très bien que tu as une vie avant d'y entrer. Crois-moi, je n'espérais pas des actes angéliques de ta part. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Et pour moi, c'est le plus important. Merci beaucoup, Ben. Merci. Tu es le meilleur des cadeaux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Quoi? Mon fils, si tu nourris l'âme du repos spirituel, nourris le corps également, car c'est le véhicule qui permet à l'âme de fonctionner dans l'univers physique. Il est temps que tu rentres à la maison. Non, je n'irai nulle part. J'aime ce lieu. L'autre côté est rempli de souffrance, mon fils, et de déception. Je n'y retournerai pas. Ton expérience est pour un voyage. Le voyage du retour à la maison, dans le cœur de Dieu. S'il te plaît, sage,
Je ne veux pas partir. Comment ferais-je face au monde? Comment ferais-je face à tous ceux que j'ai offensés? Sumrina, Zolinga, tous autour de moi. Mon fils, l'amour conquiert tout. Tu parles trop d'amour, sage. Peux-tu m'en dire plus de ce mystère qu'est l'amour? Je dirais tout malentendu entre deux amis vient de l'impatience. Si tu as la patience, la vie t'enseignera mieux. Mon cœur est disposé avec un degré de désir pour cette connaissance. Amour. Désir est sentiment. Et si tu as un sentiment profond, tu as le désir pour quelque chose. L'amour est absolu. Mais le concept de l'amour varie selon les consciences individuelles. L'amour n'est pas un sujet de croyance. C'est un sujet de démonstration. Ce n'est pas une question d'autorité, mais un sujet de perception et acte. C'est pourquoi ce Melina me méprise autant. Est-ce qu'elle est au courant de cela? Cela doit enlever la vision des vies passées, de tes sens physiques. Mais l'âme est omniprésente. Omniprésent, omniscient. Mon fils, si tu désires l'amour, tu dois comprendre que pour avoir l'amour, tu dois donner de l'amour. De la même manière, tu donnes de l'amour également jusqu'à ce que tu deviennes instrument d'amour. Sage, 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 sage. Frérot, c'est CI à l'appareil. Pas le PA, c'est CI. Que se passe-t-il? D'accord, mec. Retrouve-moi au studio. On finalise demain. Les auditions commencent après demain. Tu me suis? Bien, mon pote. Dieu te bénisse. Hey, chérie. Comment tu vas? Ça va, ça va. Sérieusement, je voulais juste te remercier. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis que tu es rentré dans ma vie, toi as pris une tournure positive. Les gens disent que tu as une touche magique et j'y crois. Oui, Somelina. Premièrement, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, toi. Tu vois, te rencontrer et travailler avec toi a boosté ma carrière. Oh, arrête. Arrête. Je dois te remercier. C'est bon pour les remerciements. Quand est-ce que tu aménages dans ta nouvelle maison? Je pense aménager avant la sortie de mon nouvel album. Vilaine blague. Peut-être tu dois en parler d'abord à ton manager, ou bien? En parler à mon manager? Mais je pensais que mon manager savait déjà qu'on allait m'offrir une maison, ou bien?
Tu sais quoi? Une chambre à coucher renferme beaucoup de secrets. Oh mon Dieu, arrête. Je sais. Arrête. Quand je sors, viens avec moi et je te dépose quelque part. D'accord. Chila. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Ceci dépasse toutes les explications cliniques que je connais. Même moi, je suis confus. Aujourd'hui, c'est la morgue. Demain, le coma. Après soins intensifs, tu commences à m'effrayer, Sheila. Comment te sens-tu maintenant? J'ai un mal de tête. Un léger mal de tête. Léger mal de tête? Si c'est un mal de tête, c'est pas grave. Dieu merci. Ah. Les filles, devinez quoi? Dis-moi. Sheila s'est réveillée et il va bien maintenant. Je ne te comprends pas. Sheila va bien et il sera libéré demain. Qui te l'a dit? J'étais à l'hôpital aujourd'hui. Tu lui rendais visite? Oui, je le faisais. Tu rendais visite à mon petit ami. Mon ex-petit ami, à mon issu. Je voulais t'en parler. Mais tu ne l'as pas fait. Même pas à moi, Queen. Pourquoi? Combien de fois l'as-tu rendu visite? Écoute, Somelina, je ne peux plus avoir quelqu'un mourant à l'hôpital et ne pas le visiter. Mon père est déjà une torture pour moi. Je voulais vous en parler la dernière fois, mais vous étiez en train de passer un bon temps avec Ben. Tu sors avec Sheila? Non. Il est mort dans le coma. C'est un miracle. Il vient de se réveiller. Toi, c'est Philippe qui te fait faire ces choses-là? Il y a quelque chose. Non. Regarde-toi. Tu ne peux même pas répondre non correctement. Non. Pas encore. Donc, il y a quelque chose. Genre de... Pas encore. Il y a quelque chose. Je devais savoir. Oh mon Dieu. Viens là. Viens là. Viens là. Je suis désolée si tu rappelles ton père. Je m'excuse de ne l'avoir pas dit. Toi, c'est Philippe qui te fait faire ces choses-là. Si je le vois encore près de chez vous, à nouveau, je lui briserai les deux jambes. Va t'asseoir. Regarde-toi. Tu comprends pourquoi ces derniers temps tu étais étrange. Thank you.
Allô, Sheila. S'il te plaît, est-ce que Melina va bien? Oui, elle devrait l'être. Elle n'est pas à la maison. Elle est chez son petit ami. Désolé. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup. So, Melina, comment vas-tu? Bien, merci. Viens prendre place. Merci. Merci. Je ne vais pas abuser de ton temps. J'irai droit au but. Je te prie. J'aime Ben énormément. Il est généreux et amoureux. Il est un fauché comme Sheila. L'aurais-tu choisi? Toi, je ne comprends pas de quoi tu parles des fois. Tu parles de quoi? Je t'explique, écoute. L'homme est différent de la femme. Pour une femme, la beauté et le cerveau suffisent. Mais pour un homme, beauté, cerveau et ce que cerveau peut produire est le plus important. Joanne, quand vas-tu cesser? Merci pour t'être inquiétée pour moi. Sois juste prudente. D'accord. Je suis inquiet. Écoute, tu ne peux pas continuer à semer des grains de discorde dans mes relations à cause de ta jalousie. Tu dois arrêter cela et tout de suite. Excuse-moi. N'en a pas besoin. Si c'est pour ma sécurité, bien, si je ne dénonce pas à la police maintenant et que quelque chose se passe, ils vont me blâmer pour n'avoir rien dit. Mon amour, je peux le mettre derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Mais quel est notre profit en cela? Dans le nu du temps, il va disparaître. S'il te plaît, je t'en prie. D'accord, c'est sa dernière chance. Si ça approche de moi encore, tu dois faire ce qu'il faut. Tu ne vas pas libérer cette fille. Garde tes rêves et tes visions. Si c'était moi, j'allais briser ta tête. Tu es fou? Hein? Pourquoi tu arraches le bouquin que je lis? Je l'ai laissé. Je l'ai oublié. J'essaie juste d'aider. Aider? Ne reviens pas me dire que je ne t'ai pas prévenu. C'est comme cela que tu t'es créé des problèmes. Je vais se soulouer. Pas soulé, tu verras solo.
Tu dois apprendre à obéir à la loi du silence. Ta liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. C'est la violation de la loi du silence si tu racontes tes rêves aux autres. Autant tu poursuis une chose, aussi loin elle s'éloigne de toi. On l'appelle la loi de l'effort. Renversée. Rappelle-toi ceci. Je suis toujours avec toi. Joanne! J'arrive! Sommelina! J'arrive! Queen! Que faites-vous encore? J'arrive! Nous devons partir! Assez de temps perdu! Je vais prendre une bonne douche froide! Viens, ma chambre! Fais-moi un câlin! Fais-moi un câlin! Fais-moi un gros câlin! Tu m'as apporté toute cette belle chose dans ma vie! Inclus l'amour. Tu es la meilleure chance. Oh, j'aimerais que mon amour soit ici. Merci à toi aussi. Pour l'amour que tu me donnes. Ben, tu fais quoi ici? Viens là. Tu m'as effrayée. Oui. Je me donne un cadeau à toi aujourd'hui. Mis à part le fait que tu dois changer une voiture aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter également un cadeau. Oh, tu es le meilleur des cadeaux, crois-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime très fort. Tu veux réellement le faire? Oui, je le veux. Peux-tu me retrouver au carrefour? D'accord. Au revoir. Amen, maman. D'accord, je vais t'appeler. Au revoir, je t'aime aussi. Ton père sera fier de toi, où qu'il soit. D'accord, maman. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Hé, la fille! Il est temps de s'habiller et de se maquiller. Que faites-vous encore? Allez, on se dépêche! On se dépêche! Chey, j'arrive, je me maquille. Hé, voilà le rêve de Sommelina. Je t'aime. Tu fais mon truc et une part de gâteau. J'espère que Chey ne sait pas que tu es là. Père. Sonne, sauf un employé de l'hôtel. Donc, je dois m'apprêter. Viens là. Ah. Oh, papa. Une fois encore, je suis désolée. Je ne suis pas venue te voir à l'hôpital. La vérité est que j'avais peur. Tu voulais te réconcilier avec moi et mourir. Et je ne pourrais pas supporter de perdre. Je t'ai aimé, papa. Et je te voulais vivant car je savais que tu m'aimais. Je sais que tu m'as pardonné avant de mourir. Enfin, tu me souriais dans ton cercueil. Merci, papa. Je pensais que ceci sera une fleur de chance. Merci, papa. Encore une chose, papa.
m'adresse plus la parole après ta mort. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Comme tu le fais toujours. Merci. Excuse-moi, papa. Je tiens toujours à devenir une artiste. Et une grande artiste. Merci. Merci. Il m'a remis une fleur. C'était l'esprit de Chérie. Merci. Mais pourquoi ton père t'a chassé de la maison pour avoir choisi de faire la musique? Mais tu es très excellente. Et il est maintenant mon ange gardien. Je peux lui demander de te frapper. Pardon, pardon, pardon. Somelina. Oui, chérie. Je pensais. À quoi? Chaque jour de ma vie, j'ai attendu ce jour. Je n'ai jamais été si sûr de quelque chose. C'est quoi ça? Tu m'as vu? Bien, c'est du vin. Donc nous pouvons trinquer pour notre engagement. Et cette substance est pour ton excitation cette nuit. Je ne prends pas de la drogue. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'est pas ce genre de drogue. As-tu déjà servi cette chose? Non. Si je l'avais fait, je ne serais pas là.
Je ne prendrai pas cette chose. J'ai dit, tu le boiras. Je ne devrais pas le voir. Juste le voir et tomber. Et là, je pouvais te couper en 1000 morceaux. Mais tu veux tout foutre en l'air. Mais je te fais foutre d'abord. Ouvre ta bouche et bois. Ouvre ta bouche et bois. Zolinga, laisse-la tranquille. Il est temps que nous brisions cette chaîne de haine. Non, sympa. Tu dois prendre la dose de chien maintenant. Bon retour, mon amour. Tu m'appartiens. Je ne vais plus te laisser partir. Elle m'appartient.
Tu avais conspiré avec elle pour me tuer. Sheila, arrête! Rappelle-toi ton objectif de briser la route de 84, donc tu peux continuer ton voyage retour à la maison. Rappelle-toi que l'amour triomphe de vous. Tu dois briser cette chaîne de karma entre Zolenga et toi dans cette vie. Si tu dois avancer. Non! Mon ami, lève-toi et allons travailler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?